Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des sangles suspensions. Il y a quelques temps je vous ai parlé d'un programme qui était en cours que j'étais en train de faire avec les sangles suspensions et ça y est, je peux enfin vous le présenter. Donc avant de commencer, les sangles suspensions, c'est quoi l'intérêt? C'est important de comprendre c'est quoi l'avantage des sangles suspensions. Les sangles suspensions, ça n'a pas pour objectif de faire de vous des bodybuilders. Si votre objectif c'est vraiment la prise de masse musculaire façon bodybuilding, c'est vraiment pas votre accessoire. Par contre, si vous cherchez à être le plus athlétique possible pour être plus fort dans un sport ou dans la vie de tous les jours, être tonique, être musclé et tonique, dynamique et surtout, surtout avoir un gainage surpuissant, c'est vraiment l'accessoire numéro 1. Les sangles suspension, la grosse force, c'est que le gainage est constamment travaillé. On va travailler le gainage, donc la sangle abdominale et aussi les muscles profonds. Par exemple, un mouvement que je montre souvent, les pompes. Quand on va travailler les pompes, les sangles de suspension, les bras ne doivent pas toucher la sangle, d'accord? Ce qui est très désagréable, déjà d'une. On va chercher à travailler cette instabilité, c'est-à-dire ici, j'abaisse les épaules, vous voyez, la sangle ne touche plus les bras, je descends doucement, épaules basses, hop, les bras, vous voyez, les sangles ne touchent pas les bras, et je remonte. Donc, gros travail de stabilité au niveau des épaules. L'autre avantage qu'il y a, c'est que tout le monde peut faire avec les sangles de suspension, tout le monde. Je suis débutant, je ne maîtrise pas du tout, je n'ai pas du tout de force. Je me mets en position verticale, je fais mes pompes. Voilà, je suis quasiment vertical. Je peux facilement adapter. Hein, une pompe, vous savez, au sol, c'est beaucoup plus dur que sur un support et ça reste plus dur que si on faisait sur une table. D'accord ? Plus on va changer l'angle, plus la difficulté va diminuer. L'autre avantage, c'est que les sangles de suspension s'adaptent à toutes les morphologies. Par exemple, les squats, j'ai du mal à descendre bas en squat. Avec les sangles de suspension, je peux me pencher en arrière. Ici, ce qui fait que je peux descendre facilement en pleine amplitude sans avoir à appuyer sur les chevilles. Ok ? Donc, avant de commencer, il faut savoir que j'ai créé un programme avec sangles de suspension pour débutants. Donc, le programme où je fais les séances, enfin c'est ma femme là, pour le programme débutant qui fait les séances avec vous. Moi je suis à côté en tant que coach, je suis là en train de vous corriger, vous expliquer tous les exercices de base. Il y a les séances, on fait les séances pour vous faire progresser, d'accord? Donc si vous êtes débutant avec les sangles, il faut commencer par ce programme là. Si vous êtes avancé, le programme que j'ai créé là, c'est un programme vraiment avancé, c'est très costaud. Dès le premier cycle, on est costaud. Le gainage est fortement mis en avant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la force numéro 1 des sangles de suspension. Le programme est construit comme ça, des séances en half body et des séances en full body. En half body, j'ai coupé le corps en deux parties. On va faire des séances pec-dos, des séances jambes-gainage par exemple. Donc on va augmenter la charge de travail sur chaque groupe musculaire dans les séances half body. L'objectif, c'est pour gagner en force et en muscle. On va améliorer la prise de masse musculaire sur les séances half body. En circuit training, on va augmenter le système cardiovasculaire. On va enchaîner plusieurs exercices d'affilée ensemble, c'est plutôt du full body sur 3 séances par semaine en circuit training. Ça va être tonique, cardio pour s'affiner, sécher et avoir une tonification musculaire au top. Le half body, on va chercher à développer la masse musculaire tout en développant la force. Et le circuit training, on va travailler le cardio. Dans les deux parties, le gainage est extrêmement travaillé. Dans ces séances-là, je fais toutes les séances avec vous. Donc vous avez un programme bien construit pour vous faire évoluer. Parce qu'un programme construit, ce n'est pas juste addition d'exercices ou addition de séances au pif. C'est vraiment une logique d'entraînement pour vous faire évoluer. Je vous accompagne du début à la fin. On fait l'échauffement ensemble. J'explique les exercices, les adaptations et on attaque la séance ensemble. Je vous coach tout au long, d'accord? Je le répète, si vous êtes débutant, commencez par le programme Suspension Fit. Donc, les séances, les programmes, je vous les mets les liens dans la description. Vous allez voir Suspension Fit ou ce programme-là que je vous propose. Musculation athlétique avec sangle suspension, vous avez tous les liens dans la description. D'accord? Donc, ce programme, si vous êtes vraiment motivé, half body 4 séances par semaine, circuit training 3 séances par semaine, ça s'adresse aux personnes déjà intermédiaires, donc déjà qui ont pratiqué avec sangle suspension, parce que dès le premier cycle, ça commence déjà à être costaud. Ok? Donc, il y a 3 cycles. 3 cycles en half body, 3 cycles en circuit training. Donc en gros, c'est un programme où vous allez pouvoir faire 9 mois, 1 an facilement. D'accord ? C'est la richesse de mes programmes. Je fais des programmes longs pour vous faire constamment évoluer et vous ne lâchez jamais. Parce qu'on sait très bien que les plus grosses évolutions, c'est sur le premier mois et sur les 3 premiers mois. Premier mois, on voit du résultat. 3 mois, on performe, on voit vraiment un vrai résultat visible. Et quand un programme s'arrête en 3 mois, après, on fait quoi ? C'est pour ça que je fais toujours des programmes plus longs. Pour vous continuer toujours à évoluer et puis reprendre le programme si vous voulez
car les séances sont toujours différentes. Ok ? Donc, si ce programme vous intéresse, je vous invite à me rejoindre tout de suite en cliquant ici ou dans la description. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Allez, à tout de suite.